Blanc de Satifur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Fortnite. Donc aujourd'hui je vais vous dire les petits défis de la semaine 6. Mais avant que je vous dise cela, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, à liker. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Donc petit défi de la semaine 6. Donc comme d'habitude, nous avons 3 défis gratuits et 4 défis du Battle Pass. Donc je vais vous parler déjà des 3 défis gratuits. Donc dans un premier temps, nous aurons comme défi visiter un lapin en bois, un cochon en pierre et le lama en métal. Donc ça, c'est pas vraiment très très compliqué. Le deuxième défi que nous devons faire, c'est visiter les 5 plus grandes hauteurs de l'île. Donc à mon avis, c'est les 5 plus grandes montagnes, je pense. 5 plus grandes hauteurs, je vois que ça, moi, sûrement des montagnes. Le troisième, éliminer 3 adversaires à Lazy Lagoon ou Frostyfly. Donc ça, bah, c'est pas non plus très compliqué. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à faire en fort d'empoigne. C'est toujours le meilleur moyen pour faire des kills en fort d'empoigne. C'est ce qu'il y a de plus facile. Donc nous avons fait les 3 défis gratuits. Maintenant, nous allons faire les autres défis du Battle Pass. Donc dans un premier temps, c'est un défi en 5 étapes. Donc étape 1, atterrir à Fatal. Le deuxième, atterrir à Lazy. Le troisième, atterrir à Shifty. Le quatrième, à Frosty. Et le cinquième, atterrir à Sunny Step. Donc bon, voilà, vous savez sûrement où se trouvent les emplacements. Donc je vais vous les mettre directement sur la map. Voilà. Donc, pour le deuxième défi, donc traverser les pointes de couteau sur la carte au trésor de l'écran de chargement. Donc ça, c'est sûrement avec l'écran de chargement où il y avait la loupe. Donc vous avez juste un peu à regarder au niveau de cet écran de chargement pour y trouver bah, les points, tout simplement. Donc, prochain défi, éliminer un adversaire avec un pistolet à silex et un arc explosif. Donc nous avons vraiment la confirmation que l'arc explosif va faire son apparition, sûrement dans la mise à jour de demain ou de mercredi. Donc dans les deux cas, l'arc sortira bel et bien. Donc s'il y a le défi de l'arc, c'est qu'il est bien présent. Et enfin, utiliser 2 objets jetables en une seule partie. Donc à mon avis, ça doit être sûrement des failles ou voilà, tous ces genres de choses. Donc en une seule game, il faut en utiliser 2. Donc bon bah, c'est pas non plus très très compliqué d'utiliser des objets jetables par partie. Donc voilà, petite présentation. Oula, j'ai bugué. Petite présentation des défis de cette semaine, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que ça vous servira, que vous pourrez vous entraîner. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et moi je vous dis à tout à l'heure les amis. Ciao ciao tout le monde.